Le livre Révélation du prince Harry serait reporté. Selon Mirror, le duc de Sussex aurait beaucoup trop de choses à révéler. Il a besoin de plus de temps pour travailler dessus. Une source à Mirror a annoncé au magazine, le mardi 23 août 2022 dernier, que le livre du prince Harry intitulé Révélation pourrait ne pas voir le jour cette année. Notons que ce livre témoignage du duc de Sussex était initialement prévu avant Noël. Les experts du secteur s'attendaient à une publication en novembre, a expliqué une source à page 6. En outre, l'éditeur Penguin Random House avait déjà annoncé que les mémoires littéraires du prince Harry, 37 ans, seraient publiées avant fin 2022. La raison de ce retard se base sur l'envergure du contenu du livre, rapporte Mirror. J'ai entendu dire que Harry a quelques bombes de vérité dans son livre qu'il se demande s'il doit inclure ou non, avait confié la source à page 6. Ce retard serait donc dû à ce contenu puisque le mari de Meghan Markle aurait besoin de plus de temps pour travailler sur le contenu de son livre. Le palais craint que le prince Harry n'utilise ses récits pour régler de vieux comptes. Le livre du prince Harry est très prometteur. L'écrivain Junior Moiringer aurait déjà terminé le manuscrit, selon Mirror. D'ailleurs, le livre aurait également déjà passé toutes les procédures légales. Depuis la dernière annonce de Penguin Random House, aucune nouvelle officielle concernant le livre n'a fuité. Ce qui a créé de nombreuses spéculations dans le secteur de l'édition. D'ailleurs, le livre du prince Harry ne sera pas disponible en pré-vente sur Amazon ou d'autres sites. Ce qui est un marqueur majeur dans l'industrie de l'édition. Il s'agit d'une preuve du succès futur d'un livre. Si le livre du prince Harry annonce un retard, les projets de sa femme, Meghan Markle, 41 ans, sont visiblement sur la bonne voie. En effet, la duchesse de Sussex a publié, en août dernier, le premier épisode de son podcast Archetype. Cela 2 ans après la signature du projet à 18 millions de livres sterling avec Spotify.